Il y a un mal qui appelle. Il y a un mal qui appelle. Oh, le rancard. Amal, oui, on y va. Il est là. Oh, il est trop cute. Joli petit rancard. Et plus, ils sont tout seuls. Ils... Oh là là. Oh, c'est trop bien. Alors, tu vas discuter avec lui, puis tu vas tenter un rapprochement. Je sais pas. Faut tenter, petit à petit. C'est un rancard, donc il est actif, tiens. Oh, ah bah dis donc, en plus, ils sont... Comment ça? Un moins. En plus, ils sont tous les deux à côté du buisson à pipi et à crac-crac par la même occasion. On fait une petite fête avant le bal de promo. Ouais. Ouais, mais tu prends un mal avec toi. Ça annule les rancards. Je suis en train de me dire, c'est bête, mais ouais, vas-y. Ouais. Zut! Il y a trop de choses. Moi, je savais pas qu'une vie d'adolescent était si mouvementée. La mienne était bien trop calme. Regardez tout ce beau monde. Oh, Amal. Oh, cette tenue. Il est incroyable. Il est beau. Oh, regardez-moi ce top rose avec un cœur de la terre, tout ça. Oh, un petit chien. Il y a un chien. Il y a Kiwi le chien. Trop mignon. Mais du coup, il y a une vraie fête ou pas? Moi, j'ai pas compris. Je sais pas. Raconte une histoire délicieuse. Flatte-le. Est-ce que tu peux l'enlacer? Non mais regardez la barre, comment elle monte. Ah punaise, autant ça a mal commencé pour elle que là ça cartonne. Hein. Ah ouais, dans cet appart ils ont un truc à bulles. Ok, c'est sympa. Mais la vache, on est chez Chantal en plus, c'est une saleté cette meuf. Ah oui, c'est son frère qui nous a invités. Hé eh Amal, tu es où? Il vient juste de se barrer. Intérêt réciproque. Bon. Au moins, c'est réciproque, c'est parfait. Mais écoutez, je sais pas s'il y a un bal de promo, moi. À un moment donné, il n'est pas écrit, hein. Comme c'est pré-promo, je sais pas quoi. Écoute, on va quand même aller à Tartosa se préparer une tenue, parce que là, ça urge. Nous voilà à Tartosa, devant la belle vitrine qui nous propose hein, de prévoir des tenues habillées. C'est parti. Alors, ah oui, effectivement, sa tenue n'est pas des plus belles. Ce sera pas mal qu'elle... Qu'elle change de robe, qu'elle change de tenue, parce que là, ça va pas aller du tout. Alors, celle-là qui est jolie, hein, qui est incroyable. Celle-là, elle lui va super bien. Peut-être une de lycée, pourquoi pas, également. Nous avons celle... Ah ouais. C'est vrai qu'elle lui va très très bien. En rose, ça lui va bien, plutôt. Hein. Celle-là aussi est plutôt particulièrement belle. Elle l'est avec mariage. Ah non, on avait celle-là aussi. Ah, elle lui va tellement bien. Qui vient avec lycée. J'aime beaucoup cette couleur-là, entre le blanc et le vert. Ça lui va bien avec ses yeux. Et je pense que je vais partir sur cette tenue-là. On va lui mettre des petits talons. Quelques bijoux, peut-être, de ce type-là. C'est peut-être un peu beaucoup. C'est peut-être un peu gros. Genre juste des perles, comme ça. Et puis, on va lui mettre une petite manucure, qui va bien, évidemment. J'aime bien cette manucure-là. Assez simple, avec des petits diamants et tout ça, juste sur le doigt du milieu. Et bien sûr, bah, je vais relooker sa coiffure. Elle va pas mal non plus, celle-là. Ça la vieillit tellement, cette coupe-là. Cette coiffure-là, qui vient avec mariage, est plutôt jolie. Ça lui cache ses oreilles décollées. Le truc, c'est que bah, ça fait des trucs roses, alors que je lui ai mis la robe verte. On va voir si la robe en rose, ça matche bien. Ça lui va plutôt très bien. Écoutez, bah, on va passer un peu aux access. Je vais rester, je pense, sur ces boutons. Boutons d'oreilles comme ça, qui sont plutôt... non, bah comme ça, c'est très bien. Est-ce que vous êtes prêts à la révélation de notre belle? Parce que là, franchement... Ah, il y a une différence entre la Gaëlle qui va à l'école tous les jours et la Gaëlle qui va aller au bal de promo, moi je vous le dis. C'est parti. Et la voilà. C'est un peu une œuvre d'art. Je suis pas peu fière d'elle, dis donc. Vous la trouvez comment, vous? La voilà. Prête pour le bal de promo. Je ne sais même pas s'il aura lieu ce soir. Mais en tout cas, elle est prête. On est de retour chez nous. Elle est plutôt encore en bonne forme. Ça me fait penser qu'il faudrait qu'elle continue. Voilà. Qu'elle reprenne sa potion. Hein. Que ce soit de la vraie potion et pas du macaroni. Postez à propos d'une nouvelle tenue énergisante. N'hésitez pas à vous arrêter pour m'admirer. Je suis stylée comme jamais. Tout va bien, Gaëlle. Tout va bien. Comment j'ai bien fait. C'est le bal de promo, mais il n'était pas écrit. Ah,
J'ai trop bien fait d'aller chercher une tenue. C'est parti pour le bal de promo de Gaëlle et Amal. Ok, voilà tout le beau monde. Regardez comme ils sont plus ou moins bien habillés. Hein. Plus ou moins. Je sais pas du tout ce que Amal a comme tenue. Il est où? C'est pas lui, j'espère. Non, ça va. Oh, Robin, merde, il a la jupette. Il a pas l'air très heureux. Quelle tristesse. Est-ce que t'as pas une meilleure tenue, mon chaton? Premier baiser. Allez, tu vas quand même aller l'enlacer et flirter avec lui en ce début de bal. Qui nous accueille? Il y a du monde, hein. Bon, plus c'est quand même elle la plus lookée. Ah non, j'ai rien dit. C'est Savannah qui a la belle combi. Ah, trop bien. Elle est trop bien. Elle me dit, oh, mais Sydney, il est trop classe avec son costume LGBT. Ah, vraiment. Il y en a, ils ont vraiment trop la classe. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Que tu fais? Va voir Amal. Il est où? Alors, il va falloir qu'on vote pour le roi ou la reine. Amal, où es-tu? Mais je le trouve. Ah, il est là. Ok, il arrive. Oh, mais c'est trop cute. Bon, Sydney, tu gâches tout. Oh non, mais regardez-moi ça. J'y aurais pas cru possible, je vous jure, en début d'épisode. Je n'y aurais pas cru. Oh, regardez comme ils sont mignons. Elle va aller voter. Alors, le roi et la reine de promo. Amal, évidemment. Et puis, ils vont danser aussi, hein, bien sûr. Alors, le bal de promo passe très très vite. Je vous conseille de faire les choses très rapidement. Parce que vraiment, ils ont le temps de pas grand-chose. Hein. On va complimenter la tenue des copains comme Sydney, comme Molly et tout ça. Parce qu'ils sont vraiment trop trop la classe. Elle a voté pour Amal. Alors, le bouffon, qui sait, elle pourrait voter pour qui? Qui serait le bouffon? Alors là, Sydney, allez. Je pense pas qu'elle sera élue reine, hein, à mon avis. Ça m'étonnerait. Hein. What? C'est qui elle? Colère bouillante sous ma mère, avançant quelqu'un à proximité. Oh là là. Oh là là. Elle va se prendre un verre de jus de fruits. Magnifique. Il est où, Amal? Sérieusement, là? Il est là, il est en train de danser. Appelle-le. Vous allez discuter. Elle a vraiment trop la classe, quand même. Hein. Je trouve que c'est la plus belle et la plus stylée de tout le bal. Tu vas chuchoter des mots doux. Frimer avec une tenue. Ok, si tu veux. Il est... Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il va pas bien, chaton? Quoi? C'est déjà les résultats! Mais on n'a rien le temps de faire! On n'a même pas le temps de danser. Et il s'est passé plein de choses sur... sur lapin sociable. On n'avait pas le temps de tweeter sur... de lapiner sur le truc. Alors? Allez, l'approviseur, on vous attend. Qu'est-ce que vous allez raconter? En plus, avec le truc de ballon, on voit pas grand-chose, hein, je vais vous dire. Et la musique qui gueule et tout. Oh, Ash, qu'est-ce que t'as? T'es trop classe, ma belle. Alors? Ça y est? C'est Amal, le roi! Mais oui, mais c'est moi qui ai voté! C'est nul! C'est nul! C'est trop bien! Bravo Amal, bon il est tristoun. Non, mon chaton. Attendez, faut que je le remonte le moral là. Parce que je sais pas pourquoi il est triste d'un coup. Non, bah je sais pas. Pourquoi? Mais non. Mais pourquoi incommodant? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la meuf qui a tout foutu en l'air. La meuf avec qui dansait. C'est ça, je pense. Vous allez où? Ah, ils vont danser ensemble, mais dehors. Oh. C'est beau. Allez, embrassez les mains, là. Bah, allez, arrête d'être triste, en fait, mec. Mais non, le bal de promo est terminé. Mais c'est trop nul. On n'aura pas le temps de... Mais ça va beaucoup trop vite. C'est pas possible. Je voulais qu'ils s'embrassent, moi. Ils vont s'embrasser, mais... C'est dehors et même pas sur le piste de la... Bon, tu prends Amal avec toi. C'est d'abord, il y a l'after, il y a le machin, il y a Ciné, il y a Amélie. On va prendre nos potes, hein. Atsuko, Savannah... Allez, Noah aussi.
Et si t'as... Allez! Ah bah, ils se sont pas encore embrassés, hein. C'est n'importe quoi. Nous voici à l'after. Alors, elle va pas bien du tout, ma cocotte. Putain, tu as pas la boisse. Tu as pas ta potion. C'est où les toilettes, là, dans le coin, là? Zut! Je sais plus. Si, ils sont loin, ils sont là. Oh, mais pendant ce temps-là, ils vont tous se barrer, tout. Non. Elle est où? Le bouffon et le roi. Et il va toujours pas bien, hein. C'est super relou. Oh, oh, oh! Ça y est! Ça y est! Ça y est! Ils se sont enfin embrassés! Ça s'est pas du tout passé comme j'aurais voulu! C'est pas possible! Tu veux partir? Non, elle veut prendre une photo avec lui. Ah ouais, non, mais ce que là... Ce qui est bien, c'est franchement cool, l'after sur le... Sur la... Mais il y a personne. Il y a personne qui vient, en fait. Donc c'est horrible, regardez, ils restent plantés comme ça, les Sims et tout. Il y a rien qui fait qu'ils peuvent faire quelque chose ensemble et tout. Une petite photo. Mais c'est quoi, ça? Non! Ah, c'est mieux. Oh, ils sont cute. Avec contre qui tire la gueule derrière. Voilà, là, ils sont mignons. Bon, on voit rien, hein, parce que... Voilà. Eh ben, dis donc. Oh, les beaux gosses. Ah, les purs beaux gosses. On n'aurait pas cru. Oh là 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 là. Mais pourquoi il a pu son truc de roi? C'est grâce à nous qu'il est devenu roi, de toute façon. On a été la seule à voter pour lui. Ah, bah voilà. Voilà, ça se confirme. Ils sont amoureux. Oh là là. Déclarer son amour en public. Allez, de toute façon, t'es folle de lui, donc... Oh là! Elle chante trop mal! C'est bon, ils sont petits amis. Et pourtant, ils s'aiment un tout petit peu moins, mais c'est pas grave. Trop cute! Mais tu vas pas rentrer chez toi, meuf! Mais je lui ai pas demandé de rentrer chez elle, elle est folle! Embrasse-le. Embrasse-le! Complimente-le, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Voilà. Je veux que vous alliez faire une photo. Je vais côté. Faire une photo en étant joueuse. Non, tu vas faire une... Non, tu vas faire une photo avec lui. Faire une photo romantique avec Amal. Ah, parce que ça, c'est super bien le photomaton. J'ai pas eu le temps de le faire à la... au bas de gros. Allez. Elle est dans un état. Je sais pas si elle va tenir longtemps. Yes, la photo a fonctionné. La photo a fonctionné. Tu vas en faire une autre, hein. Moi je te le dis, romantique avec Amal. Hein. Oh là là, il en peut plus. Il en peut plus. Est-ce que vous n'allez pas faire des petites coquineries aussi? Ah, je crois que la photo est pas si bien réussie que ça. Ça a l'air d'être la même, hein, en plus. Quel dommage. C'est pas grave. Vous savez quoi? Vous allez vous bécoter. Hop! Bon, elle est prête à tout. Hein. Gaëlle, c'est quand même son crush, elle l'a vu, ça a été le coup de foudre. Hein. Et elle savait que c'était l'homme qu'il lui fallait. Voilà, le petit voyage, la grande roue de l'amour a commencé entre Amal et Gaëlle. Ouh, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est l'amour fou. Oh là là. Ils ont l'air de kiffer. A priori, ça s'est bien passé. Les voilà ressortis. Tu vas déclarer ton amour en public. Mais c'est bon alors, du coup, tout s'est bien passé. Nouveau partenaire, badinage émoustillant, ambiance chaude et enivrante, sans alienité, premier baiser, enfin bref, tout va bien pour Gaëlle. Elle est crevée. Comment elle chante mal. Ça me tue. Ah non, allez, tu vas prendre une pause sexy, tout ça. C'est pas grave, il est amoureux de toi déjà, tu sais, donc tu perds rien. Voilà. Ils se sont rencontrés la veille. Hein. Ah non! Tu pourrais l'aider, Amal, non? Tu penses pas? Excuse-nous, Savannah, on va refaire une photo. Elles sont trop cute, les photos dans le photomaton, en plus. Elle a pas l'air d'aller bien, petite.
Ah bah tiens! Mais ils sont revenus finalement les potes là? Il est 6h du mat, la journée va... le jour va se lever et ils sont encore sur le port. Peut-être que ça amènera de la vie parce que... Voilà. Bon, je pense que effectivement il va être temps de rentrer après cette magnifique soirée. Ah ouais, Amal est là. Mais quelle bonne nouvelle! Pourquoi il est là? Le petit after coquin, mais j'avais pas, je l'ai pas cliqué. Enfin, je l'ai pas emmené. Enfin, c'est pas grave, hein, écoutez. Ils vont aller faire des coquineries à l'étage. Maman, papa, vous nous avez pas vu. Le bal de promo s'est très bien passé. Vous inquiétez pas, Amal, c'est une copine. Mais vous n'allez pas faire ça dans le lit des parents? Ah oui, c'est vrai, j'ai bloqué la porte. Oh, c'est glauque. Ah, c'est glauque. Et c'est dans sa chambre, là où tout a commencé, où elle cachait, eh ben, toute cette magie et cet amour qu'elle avait pour Amal, que se termine cet épisode, où justement elle fait des bécoteries avec son amoureux, qui est maintenant à elle, rien qu'à elle. Regardez les photos qui ont été faites, celles du photomaton sont vraiment trop belles. C'est vraiment très très cool, et elle a rangé les photos d'espionnage qu'elle avait fait de lui. Puisqu'aujourd'hui, ils sont petits amis. C'est ici peut-être que se finit ce Let's Play découverte avec Gaëlle. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup marrée quand même sur ces trois courts épisodes. C'est très sympa. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Amal, comme ça, tout de suite dans la poche, ne perdez jamais espoir. Peut-être que votre crush sera votre amoureux. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais peut-être qu'à vous, vous aurez plus de chance. Et on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à bien sûr mettre un joli commentaire, un partage, un like, surtout les partages parce que ça aide à nous faire découvrir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, comme d'habitude, et surtout à partager la vidéo puisque c'est comme ça que vous m'aidez à me faire découvrir auprès des autres. Des gros bisous à vous, à très bientôt, ciao ciao.